Peuple haïtien nous mêlé. Peuple haïtien, confusion totale dans tout dossier dans la coupe pays d'Haïti. Diversion a fait. Bien, confusion, chita dans rapport qui baille sous massacre qui fait dans Delma 32. Côté gouvernement accusé, groupe Fantôme 509, c'est eux-mêmes qui responsable ça qui passé dans Delma 32. Eh bien, après 24 heures, gouvernement fin by qui est qui groupe monde qui responsable ça qui passé là, eh bien NDDH qui gagne en tête li Pierre Espérance, nous connaissons NDDH c'est réseau qui défend droit monde lui-même, il sorti rapport pal pour le faire connaître c'est gang craché difé qui dé ça qui passé là kounya na qui est pour nous quoi pour qui ça confusion totale ça dans deux rapports ça yo. Est-ce que c'est parce que NDDH a un problème avec pouvoir en place ça? Ou bien pouvoir en place ça a essayé cacher gang craché difé puisque nous connaissons gang craché difé fait partie de G9 famille à Calier. Eh bien, il y a une diversion tout cap fait dans le pays. Ça qui fait une diversion, c'est parce que Jimmy Cherizier alias Barbecue lance manifestation dans la Saline. Il y a une manifestation, l'a dit à bas président Jovenel Moïse, et nous connaissons ses alliés pouvoir. Elle te fait connaître si yo tire sou yo, la mette di fe. Et manifestation ça, te rive dans station Gonaïve, et bien, yon grain blindé, te tire gaz lacrymogène sou yo, ça te fait ou fait bac. Et dans le commencement manifestation, nous te capable ouais. Jimmy Cherizier alias Barbecue était dans tête manifestation hein? Et depuis avant gaz lacrymogène n'a tiré nous pas ouais Jimmy Cherizier. Est-ce que c'est pas gouvernement lui-même qui derrière fait diversion qui ça réservé encore pour qui ça Barbecue lui-même il était disparu nous pas jamais voir dans manifestation encore. Est-ce que pouvoir c'est pas pour bailler opposition en pression puisque dans déclaration Barbecue nous t'es capable d'entendre le dire pour aller bouler patrouille, il pour aller bouler jeep, il pas craser petit business, il pas craser gros business. Eh bien, rassembler nous pral parler causer, nous pral gain causer pour nous tendre dans pays d'Haïti. Mais pas oublier m'a invité ou abonner à channel là, activer cloche notification comme ça ou pas perdre même yon yota nan série information n'ap gen pou pote pou yo. Oui, j'aime te fait di ça là. Confusion totale. Yo deye continue foure peuple là nan fè noir nan tout dossier nan pays d'Haïti. Pa gen yon grand dossier nan pays d'Haïti, eh bien nou jwenn vraie conclusion. Nou pa jam jwenn final nan dossier yo. Eh bien, nous songeons massacre qui fait quitter grand main dans goût dans bouche tout monde là, c'est massacre Delma 32. Côté gouvernement, les mêmes li accusé Fantôme 509 qui derrière ça passé là sous façon pour yo capable eh bien bay une réplique sous la mort Gabi Jeffra. Yon accusation qui paraît li kembe. Je ne connais, yo t'ai accusé Gabi Jeffra comme quoi li en dans Fantôme 509. Mais NDDH qui c'est réseau national cap défend droit monde qui gen en tête li Pierre Espérance qui nous connaît eh bien organisation droit monde ça gen autant la milité dans pays d'Haïti et nous connaît toujours ab dénoncer en pile dérive pour voir si la fait et dérive pas être clair. Eh bien lui-même il sorti rapport pal. Il fait connait c'est gang craché difé yon allié G9 c'est ou même qui fait massacre si là gang craché difé nous connaît li gen en tête li Wilson Pierre qui ou connaît sous notre James Alexander alias Tissonson ensemble avec Jean-Maninho View alias Manino mais c'est ou deux selon RNDDH qui fait massacre si là dans Delma 32. Kounya, n'a pas dit non, n'a qui est pour nous quoi? Est-ce que c'est parce que pouvoir qui problème avec Fantôme 509
qui fait ou accuse des fantômes 509? Ou bien, est-ce que c'est parce que RNDDH lui-même, il y a un problème ensemble avec G9, puisque nous avons une menace faite contre le directeur RNDDH là, qui fait l'accuser G9 comme quoi c'est eux-mêmes qui commettent massacre si là. Nous en confusion. Nous ne savons pas qui ça pour nous quoi. Mais RNDDH, le rapport est sorti déjà tout. Rapport massacre la Saline, nan, et en pile l'autre organisation de droit international, il fait rapport à tout et il y a même résultat par RNDDH là. Mais le gouvernement lui-même, pour qu'on sorte, aucun rapport sur le massacre la Saline. Nan. Résultat, enquête pour que j'en baille. Ça veut dire, nous capables de dire, gouvernement a essayé de cacher G9, puisque nous connaissons G9, c'est allié pouvoir. Pendant qu'on a parlé de G9 qui s'est allié pouvoir, bien nous connaissons Jimmy Chérizier à l'Al Barbecue, c'est lui-même qui tête G9. Ça veut dire, commandant-chef G9 là, c'est lui-même. Eh bien, lui-même ensemble avec tout pouvoir, il y a un jeu de Kati Mini, un petit jeu de cache-cache libre qui a joué. Il y a derrière fait diversion. Puisque Jimmy Chérizier dans tête manifestation qui a fait dans la Saline, eh bien, après lui, abat président Jovenel Moïse, abat Jovenel, abat élection, abat référendum. Tout le monde saisit, puisque il a dit Jimmy Chérizier trahit Jovenel. Mais est-ce que c'est vrai, nous pensons, Jimmy Chérizier t'a trahi Jovenel Moïse? Eh bien, nous-mêmes, beaucoup de pas nous, dans la recherche nous fait, dans ça, nous avons gardé, dans ça, nous avons eh bien, nous disons, est-ce que ce n'est pas diversion? Puisque Jimmy Chérizier lui-même, dans le commencement de la manifestation, il dit, il prend le boulet patrol, il prend le boulet jeep, il prend le chercher sa revenu de droit, ça veut dire il prend le faire des choupages. Et puis, il fait qu'on est tout, il va prendre des petits business, c'est gros business, il va prendre. Nous disons, est-ce que manifestation ça, c'est pas pour bailler, commencer, faire pression sur l'opposition en lui-même, qui voulait camper pour dire non, il n'y a pas non. Élection ensemble avec le président Jovenel Moïse, puisque le Jimmy Chérizier était même cité non boulos, non André Michel, que Mounsao y a pas attaqué. Eh bien, nous-mêmes, nous avons diversion, nous-mêmes, nous commençons. Puisque le slogan de la manifestation, c'était si vous tirez sur nous, nous avons mis des défis. Et nous sommes capables, ouais, mes amis, Jean, barbecue, vous bien entouré ensemble avec. De série de nègres avec gros âmes fan fois dans main yo. Mais barbecue te compte dans commencement manifestation et ou te dit ou pas rentrer dans cité soleil. Eh bien rivé dans station go naïve yo seul blindé tire gaz lacrymogène sous manifestant yo. Bien manifestation crasée. Mais n'a songé Jimmy Chérizier était dans tête manifestation. Côté Jimmy Chérizier passé, les gaz lacrymogènes n'ont été tirés. Jimmy Chérizier était dit si on tire sur nous, n'a mis des gaz lacrymogènes tirés, pas eu aucune réplique qui fait. Jimmy Chérizier disparaît dans tête manifestation. Est-ce que ça va prouver qu'une diversion qu'a fait? Puisque Jimmy Chérizier disparaît dans cette manifestation. Manifestation rebousse chemin, il retourne encore la Saline. Pour qui ça? Manifestation, c'est la Saline qui commence. Est-ce que c'est parce qu'il a besoin de montrer, il a besoin de faire la paix pour montrer le massacre la Saline par la donne, même si Kounia, c'est groupe G9 qui a dirigé la Saline. Puisque tout parcours manifestation ça c'est parcours côté c'est G9 qui a dirigé, c'est parcours à vide. Est-ce que c'est pas parce que Jimmy Chérizier recevoir appel dans mes nèg qui a dirigé lui qui fait obligé faire film ça et bien pour faire pour montrer peuple là à clair et bien là Jimmy Chérizier pendant pression. Bien dossier ça n'a pas sujet de près
pour nous capoter tout dernier petit détail pour mais gon bagay nous voulons rappeler gang G9 ça dans cité soleil dans affrontement gain eh bien litouyer pipiti 40 moun en dans cité soleil gang G9 ça gain dans tête li Jimmy Chérizier et puis kounya nous li lancer manifestation et nous tout peuple là aller marcher ensemble avec lui même si c'est en bas en pile gros pression d'où que tout peuple ça obligé prend la rue pour pas subir l'autre attaque encore. Eh bien sorti 25 pour arriver 30 juin 2021 là eh bien gang G9 en total fait plus passer 60 morts dans pays d'Haïti selon rapport fondation J'éclaire lui-même limité dehors. Ça veut dire là son gang ka bay problème dans pays d'Haïti qui besoin créer diversion li même ensemble avec pouvoir yo besoin bay pression eh bien pour élection ensemble avec référendum fait puisque n'a songé parole lucide Jimmy Chérizier li même il te dit référendum ou bien déchoucage kounya la ki sa pral passer. Est-ce que pral gen l'autre manifestation k'ap lanse ou bien kounya est-ce que pouvoir en place là attend yon réaction nan mi opposition sous manifestation ki fait là pou yo konnen ki bon pou yo attaquer kounya est-ce que a pa attaquer ni san avant ou bien est-ce que a commencé à attaquer opposition. En tout cas nous là nous-même n'ap suiv même Jacques Petouma pour nous rapporter tout dernier petit détail pour. Eh bien, c'est là tout. Nous mettons en bout. Merci à vous-même qui t'avez prêté nos attention avec fidélité. Nous cassons rendez-vous très prochainement pour l'autre série d'informations vraiment intéressantes. Nous avons invité vous à abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Comme ça, vous ne perdez pas un yota dans la série d'informations que vous pouvez pour vous.